Cette qualité qui va tout changer. Cher Proactive Rêveur, aujourd'hui j'aimerais te partager une qualité qui pourra faire toute la différence dans ton chemin de vie, dans ce que tu vas accomplir et dans tes relations avec les autres et avec toi-même. J'espère que cette qualité va t'inspirer à l'installer dans ta vie, à pleinement la vivre, à pleinement la ressentir et ressentir ses bienfaits pour que ça te motive à pouvoir vivre avec cet état d'esprit et avec cette qualité. Donc, sans plus attendre, allons découvrir de quoi je parle tout de suite. Et si tu me découvres, n'hésite pas à t'abonner sur Destination Soi-même en cliquant sur s'abonner, en sonnant la petite cloche si tu veux recevoir mes nouvelles vidéos régulièrement, parce que je t'accompagne pour trouver ta mission de vie et la manifester dans la réalité, enlever tous les blocages qui peuvent te freiner pour aller de l'avant. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à jeter un œil et à t'abonner surtout. Donc c'est parti. Cette fameuse qualité, c'est l'humour. Avoir de l'humour, c'est magique. Quand tu es en train de discuter avec quelqu'un et qu'une des deux personnes te sort une blague, mais est-ce que tu as déjà ressenti à quel point ça peut faire descendre la pression, mais d'un coup comme ça? Parce qu'imagine que tu discutes un peu d'une discussion sérieuse, un truc comme ça, ou bien quelqu'un te raconte quelque chose, un sujet qui est un peu stressant, etc. Et bien sûr, tu restes à son écoute. Le but, c'est pas de discréditer ce que les personnes disent pour passer à autre chose, mais plutôt qu'en restant pleinement dans cette écoute de l'autre, dans l'accueil de ce que te dit l'autre, tu y rajoutes ta touche personnelle, tu y rajoutes ton univers, tu y rajoutes ta positivité. Et je dirais même, tu y rajoutes ta légèreté. Parce que tu lui montres, tu lui fais prendre conscience que tu as cette légèreté en toi, que oui, tu prends au sérieux ce qu'il vit, tu prends au sérieux ce qu'il ressent dans ce qu'il vit, mais en même temps, tu sais que tout cela est un jeu, en même temps, tu sais que la vie est un jeu, en même temps, tu sais que toi, tu as envie de jouer avec la vie et tu n'as pas envie de laisser la vie jouer avec toi. C'est-à-dire que tu as ce contrôle, tu peux prendre en main l'attitude que tu vas donner aux événements qui se passent dans ta vie. Tu peux accueillir et choisir l'attitude que tu vas donner aux événements qui se passent dans ton quotidien. Et c'est ça, je trouve, la magie, le pouvoir de cette attitude. C'est-à-dire qu'en une simple blague, en une simple attitude, c'est beaucoup plus que ce que tu dis. T'auras beau apprendre des blagues carambars par cœur, ça va pas toujours détendre l'atmosphère. Parfois même, si tu le dis au mauvais moment, ça va passer pour quelqu'un qui veut... tu peux passer pour quelqu'un qui est pas drôle, mais ça encore, j'ai envie de dire, le ridicule ne tue pas. Au pire, t'encaisses ça, c'est pas grave. Mais surtout que tu peux... Comment dire, ça peut être interprété comme si tu ne veux pas écouter l'autre, comme si tu essayes de camoufler ce que l'autre te dit à travers tes blagues. Et ce n'est vraiment pas le but. Le but, c'est quand tu sors ces blagues, ou tout simplement cette attitude en fait. Le plus important n'est pas la blague en soi, mais l'attitude qu'il y a derrière. L'attitude qu'il y a derrière, c'est « je croque la vie à pleines dents ». Voilà, c'est ça que je cherche à te communiquer. Je croque la vie à pleines dents. Je suis là pour m'amuser. Et ça ne m'empêche pas de prendre des choses au sérieux. Ça ne m'empêche pas de m'engager sérieusement dans les choses qui me tiennent à cœur, dans des causes, dans mon travail, dans mon entreprise, dans ma relation. Ça n'empêche pas tout ça. Mais ça rajoute une dynamique en plus, la dynamique de la légèreté, la dynamique de « je veux m'amuser durant le processus, je veux pleinement apprécier le chemin, je veux échanger avec mes frères, tous ces êtres humains qui se trouvent autour de moi, avec le plus de légèreté possible, avec le plus de joie possible. » Sans me prendre la tête. Et ça rajoute une dimension, une dynamique que je trouve merveilleuse. Parce que nous pouvons nous amuser tout en évoluant. S'amuser en évoluant. S'amuser en progressant. S'amuser en travaillant. S'amuser en étant productif. S'amuser en nous détendant. S'amuser durant nos loisirs. Qu'est-ce qui nous empêche? C'est une question que je me pose à moi personnellement. Parce que je n'incorpore pas entièrement tout ce que je te partage. Je suis un être imparfait et c'est ce que je me dis à moi-même à travers cette vidéo. Comment plus m'amuser? Comment apprécier encore plus le processus? Comment réussir à prendre les choses plus à la légère? Et une réponse qui me vient là, c'est tout simplement me prendre moi-même au sérieux, c'est-à-dire avoir plus de recul vis-à-vis de moi-même, avoir plus d'autodérision vis-à-vis de moi-même. Et qu'est-ce qui permet cette autodérision et ce recul? C'est justement le fait de s'aimer, travailler son estime de soi-même pour être moins vulnérable à protéger notre image de nous-mêmes. Parce que quand on s'aime, on a moins besoin de protéger cette image, on a moins besoin de nous justifier,
on a moins besoin d'être dans un état de frustration quand quelqu'un nous dit quelque chose, dans un état d'irritation, dans un état où on se sent blessé parce qu'on aura déjà mis des pansements et un peu de pommade à ces blessures. Et c'est pour ça que c'est si précieux, ce travail d'introspection intérieure, ce travail thérapeutique, ce travail de bien-être, de se libérer de ce qui nous entrave à nous aimer pleinement. Et en même temps, partager, rayonner cette positivité qui rentre en nous parce qu'on a laissé de l'espace pour que cette positivité rentre. On a fait le ménage, on a laissé la positivité rentrer. Et moi, je te dis, partage-la avec les autres. N'hésite pas à partager à ta manière. Alors moi, je te parle de l'humour dans cette vidéo. De prendre les choses à la légère, c'est une qualité que je trouve magnifique. C'est une qualité que je trouve qui démontre l'état d'esprit de la personne. Tout dépend d'où ça vient, comme je te l'ai dit, il y a plusieurs types d'humour, mais l'état d'esprit dans lequel je te parle, c'est cet état d'esprit de complétude, où on se dit « Ok, je prends la vie à la légère, je me sens bien là, tout n'est pas parfait, j'ai encore ça à régler. Des fois, j'ai ce défaut qui apparaît, des fois, je m'énerve quand il y a ça. Mais je prends quand même tout ça avec le sourire, à la légère, et j'ai envie de m'amuser avec tout ça. J'ai envie de faire de mon mieux, j'ai envie de me challenger, j'ai envie de expérimenter, j'ai envie de me moquer de moi-même. » Tout ça rend cette dynamique beaucoup plus motivante pour ma part. Je trouve ça beaucoup plus motivant d'avancer de cette manière, d'incorporer cette légèreté dans notre vie, parce que cette légèreté, elle va t'apporter beaucoup de positif, elle va apporter beaucoup de positif aux autres, elle va apporter du positif à tes projets. En gros, c'est une qualité que je trouve primordiale si tu veux accélérer ton ascension vers ta mission de vie et vers ce qui compte pour toi. Donc j'espère que tu vas pouvoir t'inspirer de ça pour développer cette qualité, non pas dans un but de faire un one-man show, sauf si c'est ta mission de vie ou c'est quelque chose qui te tient à cœur, mais plutôt pour tout simplement te demander « Ok, comment je pourrais être si léger que j'ai envie de rigoler et blaguer avec les gens autour de moi ?» De ne pas prendre tout au sérieux. Comment, quel état d'esprit, qu'est-ce que je peux faire aussi pour instaurer cet état d'esprit? Ça peut aussi être, qu'est-ce qui me détend? Parce que plus on est dans cet état de détente, et plus il y a de chances que ton humour créatif, comme je vais l'appeler là, j'aime bien ce terme, ça va augmenter les chances que ton humour créatif ressorte naturellement et se diffuse à travers les autres. Donc pense bien à tout cela, j'espère que cela va t'inspirer. Regarde ce qui te relaxe, regarde ce qui te fait du bien, regarde te rend fier de toi, tes accomplissements, etc. et mets en place les structures, les habitudes dans ta vie pour pouvoir développer cette qualité. J'espère que cette vidéo t'a inspiré. N'hésite pas à mettre un like, ça va m'aider à diffuser mes vidéos et ma chaîne YouTube à un plus grand nombre pour partager mes conseils et faire connaître également mes services. Je t'en serai très reconnaissant. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, je serai ravi de pouvoir te lire. Et n'oublie pas, abonne-toi si tu n'es pas abonné en sonnant la petite cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos que je fais quotidiennement en ce moment. Je suis chaud, je te partage mes conseils au quotidien. Donc, ce serait dommage de ne pas en profiter si cela te parle. Je fais également du coaching. Si ça t'intéresse, il y a le lien qui explique toutes mes prestations. Si tu as moins de questions, demande-la moi dans les commentaires. Ou sur les réseaux sociaux, je suis présent sur Instagram et Facebook par message privé. Et d'ailleurs, je poste sur Instagram des articles exclusifs au quotidien. N'hésite pas à y jeter un œil. Je te souhaite une très belle fin de journée et à demain pour la prochaine vidéo. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.